Bonjour, c'est Alice. Pour une nouvelle vidéo, nous allons réaliser une carte express qui est basée à partir d'un gros tampon. Un gros tampon, vous allez voir, ça suffit à presque à faire une carte magnifique. Donc, pour cette carte express, vous avez besoin évidemment de papier. Vous aurez besoin d'un grand tampon, une plaque de tampon message. Ici, j'ai utilisé celle des Minimo Célébration de chez Easy. Un encreur noir, un encreur WOW Versamark. Quelle que soit votre marque, ici de la poudre clear pour l'effet j'aime le brillant, on commence à le savoir, c'est l'encre spray easing, un pinceau à réservoir d'eau et deux encres easing. J'ai choisi des tonalités violet et on le sait, violet et jaune c'est complémentaire, et bien j'ai choisi ces deux-là. Au niveau des papiers utilisés, vous avez déjà besoin d'un papier blanc qui soit suffisamment épais. Là, je suis sur un feuillet d'album que j'ai recoupé. C'est un grammage 216 grammes. Donc, parce qu'on va devoir l'humidifier, donc il faut qu'il soit quand même suffisamment épais. Il fait 9 par 13 cm. Le papier ici que j'ai choisi en violet, ce sera mon passe-partout. Donc, il est légèrement plus grand. Il fait 9,5 par 13,5. Enfin, le dernier papier, c'est mon fond de carte. J'ai choisi un mauve qui est plus clair et qui va s'assortir. À vous de voir dans quel sens vous voulez fermer votre carte. J'ai choisi de la fermer par le haut. Cette carte va faire 10,5 par 14,5 une fois fermée. Ce qui veut dire que j'ai découpé un morceau de papier qui fait 10,5 par 29 cm. Donc j'ai recoupé une page d'album pour pouvoir la réaliser. Me voilà en place pour faire mon décor. Ici, j'ai déjà repéré avec mon tampon quand je le sors. Ben voilà, j'aime bien. Il va s'imprimer dans ce sens-là. Donc forcément, voilà, il va se positionner sur la droite de mon papier, sur ma carte. Donc c'est ici que je vais venir créer un fond décoratif. Alors là, je travaille sur mon tapis de silicone. Je vais venir mettre un petit peu d'encre dessus sur le côté, de la jaune et la couleur encre des dyes Easy Ink. Là, j'ai mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir prendre un petit peu d'encre au bout de mon pinceau et je vais venir faire mon petit fond. Bon, alors, je commence par la couleur la plus claire histoire de ne pas trop mélanger. Et puis, si jamais mon pinceau après avait un petit peu d'encre. Donc vous voyez, je prends sur la pointe et je fais simplement. Alors après, on en met plus ou moins. Alors ce jaune-là est assez vif, hein, vous voyez. Voilà, je trouve que ça, c'est pas mal. Je vais bien nettoyer après ma pointe sur un chiffon. Une fois ma première couleur bien sèche, je reproduis la même chose avec ma deuxième couleur. Voilà, et je viens mettre. Alors les couleurs se mélangent, qu'elles soient sèches ou pas, il y a forcément un petit mélange. Ça me permet d'atténuer à la fois mon jaune et mon violet. De faire un mélange. Voilà, là c'est vraiment, c'est du créatif, c'est vous qui mettez votre dosage selon votre goût. Si je penche plus ma pointe, mes coups de pinceau seront forcément plus épais, avec un autre style. Essayez plein de couleurs, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. À présent, je vais passer au tampon. Je vais venir placer mon poisson à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il déborde et qui soit recouvert par ma déco. Ici, je vais venir déjà le tamponner en noir. Je le nettoie un petit peu et je vais ensuite venir le mettre à l'encre Versamark.
à la roue. Donc, qui est une anque qui va permettre de l'embossage. L'idée ici, ça va être de faire ressortir. Déjà, rien que de mettre la roue, ça fonce votre encre noire et ça fait davantage ressortir le poisson. Donc là, j'ai mis de l'encre et je vais venir sur une feuille de brouillon pliée en deux. Pas besoin de faire d'avoir une jolie feuille. Une feuille de brouillon, ça ira très bien. Et je vais venir recouvrir mon poisson d'encre clear, de poudre clear. Alors à présent, on va venir mettre le tampon message. Donc là, j'ai choisi le message un très bon anniversaire. Donc là, c'est vraiment une carte pour les personnes de votre entourage qui sont poissons. Vous allez pouvoir leur envoyer cette carte. Hop, j'accroche. Ici, vous pouvez prendre l'encre noire. Ici, j'ai choisi plutôt une encre mauve qui va rappeler le mauve de ma carte. C'est une autre possibilité. À vous de piocher dans ce que vous avez. Et voilà. Alors, ma décoration ici est presque terminée. Elle pourrait d'ailleurs l'être. J'ai envie de rajouter une petite touche de fantaisie supplémentaire. Je vais venir rajouter donc de l'encre Easy-Ink dorée pour ajouter un petit peu de lumière. J'ai hésité, j'avoue, c'est aussi avec l'encre Easy-Ink jaune qui va parfaitement, en fait, qui est la même couleur que l'encre ici. Les deux sont possibles, mais allez, je vote pour le brillant. Je me suis mis dans une boîte, c'est ma boîte à spray. Et là, je me mets bien à 30 cm au moins. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, hop, un tout petit coup. Ça va vous faire un nuage, ça retombe et ça brille. Ça va juste apporter le brillant sur ma carte. Ici, bon, je vais en rajouter quand même un peu. Voilà. Voilà.